Hey yo tout le monde, c'est Tchfaï, j'espère que tout le monde va bien. Tout d'abord, avant de commencer ce Un jour un tueur sur Théodore Robert Bundy, je voulais vous remercier puisque la dernière vidéo que j'ai mise avant-hier, parce que hier j'ai pas pu faire de vidéo, a atteint plus de 3000 j'aime, je crois, je sais plus combien de vues, enfin en très très peu de temps, ça vous a énormément fait plaisir. Donc voilà, je voulais vous remercier en tout cas des retours qui étaient juste énormes. Et je vais pas m'attarder plus là-dessus, je vais vous expliquer un petit peu qui est ce Ted Bundy. Il y a énormément d'informations sur ce bonhomme. Pour vous dire, j'ai trouvé un site où tout un site était consacré à lui. J'ai trouvé un autre site qui recensait un petit peu les tueurs en série. Lui, d'habitude, les tueurs sont... Enfin, leur histoire est racontée sur une page. Lui, il a 8 pages pour raconter son histoire de A à Z. Donc, on connaît toute sa vie de A à Z. Donc, moi, je vais vous expliquer très rapidement qui c'est sur une introduction, hein, de qui on va parler, tout simplement, savoir si ça va vous plaire ou pas, comme ça vous restez ou vous ne restez pas. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu sa jeunesse, puisqu'en général, c'est toujours bien de savoir ce qui s'est passé un peu dans sa jeunesse. Peut-être que ça explique certains problèmes qu'il aurait pu avoir. Ensuite, je vais vous expliquer une histoire, donc son histoire justement, un des meurtres, plusieurs meurtres, voilà, pour faire simple, qu'il a commis, pour savoir un petit peu la violence du bonhomme, les délires qu'il avait, et enfin son arrestation. Ça risque d'être une vidéo assez longue, donc si vous voulez prendre votre temps, faites pause, allez chercher un café, ceci, cela, et mettez-vous bien dans l'ambiance comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça vous plaît. S'il y a les mêmes retours que sur la vidéo d'avant, j'en serai ravi. Et c'est parti pour cette introduction. Alors, il s'appelle Theodore Robert Bundy. Son pseudo, qui va être retenu par les médias, ça va être le tueur de collégiennes. Il est né le 24 novembre 1946, c'est donc un tueur en série, mais aussi un violeur qui reste très violent. Il va être, classé dans les 10 personnes les plus recherchées par le FBI à la fin de sa vie, puisqu'il va être exécuté le 24 janvier 1989. Il est coupable apparemment de plus de 30 victimes, 14 assurément, hein, qui ont été vraiment prouvées, mais après le reste, on n'est pas encore sûr, il n'y a pas assez de preuves, on n'a pas retrouvé les corps, les ceci, les cela. Il a tué pendant 5 ans, de 1973 à 1978. Il sera arrêté le 15 février 1978 exactement. Et sa méthode, c'était des meurtres avec des barres de fer, des battes de baseball, des matraques. Et puis après, il aimait aussi étrangler ses victimes. Voilà pour ce qui est un petit peu du personnage, on va s'attarder un peu plus sur sa vie. Theodore Robert Bundy était l'enfant illégitime d'une respectable et pieuse secrétaire, Louise Cowell. Il naît le 24 novembre 1946. Sa mère l'appelle Théodore parce que ce prénom signifie « don de Dieu ». Elle refusa toujours de révéler l'identité de son père, donc on ne saura jamais qui est son père. Il y a juste sa mère qui le sait, mais je pense qu'elle est morte à l'heure actuelle. Louise vivait chez ses parents et ceux-ci dirent aux voisins que Ted était leur fils adoptif. Alors Ted grandit en croyant que Louise, donc sa maman, était sa sœur et que ses grands-parents étaient ses parents. En fait, je sais pas si vous voyez le délire, ils ont fait une genre de magouille un petit peu bizarre. Donc en fait, il était arrivé, ses parents étaient assez âgés, mais il était arrivé un petit peu plus tard que sa sœur. Lui, c'était l'explication qu'on lui avait donnée. Son grand-père, maraîcher, donc vendeur de légumes à la retraite, était un homme tyrannique qui terrorisait toute la maison. Il tenait vraiment toute sa famille d'une main de fer, hein. Ce n'est que plus tard, lorsqu'il se rendit dans le Vermont pour y chercher un certificat de naissance, puisqu'il s'est posé pas mal de questions dans sa jeunesse, que Ted comprit qu'il était en fait non pas la sœur de Louise, mais l'enfant de Louise, et que ses parents étaient ses grands-parents. Ted était un enfant hypersensible et timide qui rêvait comme beaucoup d'autres et comme nous aussi de fortune et de gloire, hein. Évidemment la réussite fait envie. Son fantasme était d'être adopté par le cow-boy vedette Roy Rogers. Il demanda même à son oncle Jack, professeur de musique à Tacoma, de l'adopter. Très tôt, il se mit à voler et à mentir. Il obtenait des notes plutôt bonnes à l'école et s'enthousiasma pour le scoutisme. Il était servi par un physique athlétique. Il avait une certaine endurance et plus tard il devient un bon skieur, voire un très très bon skieur. En première année de faculté, il était solitaire, silencieux et timide. Son désir de singularité, d'être différent des autres, l'amena à étudier le chinois.
Vers ses 20 ans, Ted tombe éperdument amoureux d'une de ses camarades et c'est à partir de là que ça va partir en cacahuète totale. Stephanie Brooks, c'était une belle jeune fille, sophistiquée et malheureusement pour lui, elle venait d'une famille aisée. Ted avait déjà développé ce charme et cette classe qui faisait fondre les femmes et il n'a pas eu trop de mal à sortir avec et se fiancer avec. Malheureusement, il a essayé de rentrer dans une école assez prestigieuse pour pouvoir rentrer dans le moule justement de cette famille aisée, ce qui ne lui a pas réussi, il avait de mauvaises notes, il a raté et du coup sa fiancée a rompu les fiançailles tout simplement. Après leur rupture, quelques temps plus tard, Ted commence à fréquenter de mauvaises personnes. Une personne droguée, d'après les recherches, avec qui il a commis son premier vol et son premier délit. C'est alors qu'au début des années 1978, Ted Bundy arrive en Floride et réussit à louer un appartement avec des papiers d'identité volés. Il s'installe dans cet appartement et commence à vivre de petits vols. Là, on va parler de l'affaire de Chi Omega. Ce que je viens de vous raconter, c'est son histoire. Qu'est-ce qui fait que peut-être il réagit comme ça, que pourquoi il s'est rendu dans cette ville, etc. Là, on va parler d'une affaire qui a fait énormément parler, puisque ça a été un massacre perpétré par ce bonhomme. Alors, on se retrouve la nuit du 14 janvier 1978. Il n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il a commencé en 1973, comme je vous l'ai dit. Sauf que ce 14 janvier 1978 va être très sanglant et très violent. Un homme se rend à la maison étudiante de Chi Omega, où de nombreuses étudiantes sont sorties. À 3h du matin, une certaine Nita Nuri rentre d'une soirée et voit la porte d'entrée de la résidence entrouverte. Elle entend des bruits de pas sourds, dans les étages, puis dans les escaliers. Par peur, elle se cache derrière un mur et voit un homme portant un bonnet sombre, une matraque, à la main sortir de la résidence en courant. Elle pense qu'il s'agit d'un cambrioleur, elle décide donc d'alerter sa compagne de chambre, Nancy Doughty. Elle décide d'aller en parler à l'intendante, et sur le chemin, elle croise dans le couloir Karen Chandler, en état de choc, titubant et le visage couvert de sang. Elle décide alors de réveiller tout le pensionnaire, et les étudiantes se réveillent une par une, et malheureusement découvrent alors Katie Klein dans sa chambre recouverte de sang, encore vivante mais le crâne fracassé. Les jeunes filles, terrorisées, apeurées, appellent la police et les secours. Les policiers trouvent deux nouvelles victimes en inspectant les chambres de Chi Omega. Lisa Levy et Margaret Bowman sont mortes dans leur lit et n'ont visiblement pas eu le temps de réagir à l'agression. Les constatations du légiste sur les victimes décédées font état de mort par strangulation, donc il les a étranglées, dans les deux cas. Le tueur s'est visiblement acharné sur Lisa Levy, les médecins découvrent qu'elle a été frappée à la tête avec une bûche, elle a été violée, elle a été mordue sur la fesse et sur les seins. La police scientifique se met du coup en charge de l'affaire, fouille quelques maisons, résidences, etc. de Chi Omega. C'est à 4h du matin que Debbie Sicarelli entend sa voisine Cheryl Thomas crier et appeler de l'aide. Elle entend ensuite des bruits de coups. Et avec sa colocataire Nancy Young, elle appelle leur voisine en criant son prénom, puis sur son téléphone portable. Leur voisine ne répond pas, alors qu'elle entend des bruits de pas dans son logement, ce qui ne fait accroître leur inquiétude. Elle décide d'appeler la police, qui arrive rapidement et découvre le corps de Cheryl Thomas en sang, le crâne fracturé, l'épaule disloquée, la mâchoire brisée, mais encore vivante. L'auteur a pris la fuite par la fenêtre. Autant vous dire que cet homme-là était quand même un mec extrêmement violent. Pour péter la mâchoire de quelqu'un, pour disloquer l'épaule, enfin pour défoncer le crâne de quelqu'un, faut être super violent, faut déjà avoir de la force aussi, je pense, mais faut vraiment être pris d'une folie passagère ou je sais pas, une folie tout court pour faire tout ça. On retrouve la police scientifique qui interroge les survivantes, Karen Chandler et Katie Klein, mais celles-ci ont été attaquées dans leur sommeil et n'ont pas vu l'assassin. Nita Nuri est la seule à avoir aperçu l'homme lors de la scène de crime par les Crime Scene Investigators, donc le CSI, c'est ceux qui s'occupent justement de l'enquête. Donc la scène de crime est justement importante, les spécialistes de la scène de crime parviennent à relever des traces de sang, de sperme, des empreintes digitales et une cagoule contenant des cheveux appartenant à l'auteur. Malheureusement, à l'époque, c'était pas aussi développé que ça, les recherches via l'ADN, etc. Ces traces et indices ne sont pas tous exploitables et une autre trace va, comment dire, attirer l'attention du légiste, la trace de morsure sur la fesse de Lisa Levy. La trace est photographiée
Et comment dire, elle est en fait, elle est enregistrée de façon à pouvoir confondre plus tard Ted Bundy, par exemple, si on lui fait mordre dans un moule, ben on va pouvoir comparer à la photo les traces dedans, etc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comparer les deux morsures tout simplement et pouvoir dire que oui, c'était bien lui qui était là à ce moment-là. Cette fameuse nuit du 14 janvier 1978, l'agresseur a donc sauvagement agressé 5 étudiantes et 2 ont sang mortes. La police redouble d'efforts, mais les enquêtes ne disposent pas de témoignages assez tangibles et pas assez de témoignages visuels, puisqu'il était cagoulé et donc, par manque de preuves, ne trouve pas l'assassin. C'est le 6 février 1978, à peine un mois plus tard, que Ted Bundy voit la van Dodge blanc qui conduit jusqu'à Jacksonville. Et en fait, c'est à partir de là qu'il va signer, entre guillemets, son arrestation et son arrêt de mort aussi, puisque après son arrestation, je vous l'ai dit, il va être exécuté. Il s'arrête devant un collège. Et c'est devant ce collège que une certaine Leslie Parmenter, âgée de 14 ans, attend son frère, qui devait venir la chercher sur le parking d'un centre commercial de Jacksonville. Un jeune homme dans un van blanc s'arrête à sa hauteur et se présente comme étant un pompier. Il lui demande si elle va à l'école dans le quartier et l'incite à monter dans le véhicule. Mais Leslie trouve qu'il ne ressemble pas à un pompier, il n'a pas la carrure et il lui semble étrange. Alors elle ne lui répond pas, son frère arrive au même moment, ce qui fait fuir Ted Bundy avec son van. L'individu, donc son frère, devant le comportement étrange, note la plaque d'immatriculation du van. Le gars qui a eu énormément comment dire, de flair et aussi de réflexes, puisqu'on n'a pas tous forcément l'idée de noter la plaque d'immatriculation, mais vous allez comprendre pourquoi ce mec-là a eu ce réflexe en fait. De retour à la maison, Leslie et son frère racontent ces faits à leur père, James Parmenter, qui est détective de police à Jacksonville. Celui-ci consulte les fichiers et constate que le véhicule en question a été volé en début février à un certain Randall Reagan. Le père amène ses enfants au bureau de police pour leur présenter les photographies de criminels recherchés. Les deux enfants reconnaissent alors Ted Bundy comme étant l'homme conduisant le van. Kimberly Lynch, âgée de 12 ans, disparaît à proximité de son école. La police organise des recherches dans tout le comté et récolte des témoignages. Une amie de Kimberley, Priscilla Blackney, dit l'avoir vu monter dans une grosse voiture d'un étranger. 2 mois plus tard, le 7 avril 1978, son corps dénudé et partiellement décomposé est retrouvé dans un bois près de la rivière Suwannee en Floride. Les constatations du médecin légiste montrent qu'elle a été égorgée, qu'une incision a été réalisée sur la gorge de la fillette et qu'un couteau a été utilisé pour ses organes génitaux. Le détective de police Parmenter alerte le FBI de la tentative d'enlèvement de sa fille par Ted Bundy. C'est alors que le 10 février 1978, le FBI place Ted Bundy sur la liste des 10 criminels les plus recherchés des États-Unis. On se retrouve la nuit du 14 au 15 février 1978, la fin de cette affaire. L'officier David Lee patrouille dans la ville de Pensacola en Floride. Il remarque une coccinelle orange qui circule dans un quartier désert et il demande une vérification radio de l'immatriculation de ce véhicule. Il s'avère que le véhicule a été déclaré volé. L'officier décide donc de contrôler le conducteur. Le conducteur est en état d'ébriété et déclare qu'il veut se suicider et dit qu'il s'appelle Kenneth Mistner. Il est conduit au poste de police. Il est interrogé pendant plusieurs jours puis finit par reconnaître qu'il se nomme Ted Bundy. Les policiers abasourdis de découvrir que Ted Bundy est placé sur la liste des 10 criminels les plus recherchés par le FBI et qu'il est recherché pour être reconnu dans plus de 36 meurtres et qu'il s'est évadé lors de son dernier procès pour meurtre au Colorado, livre ce fameux Ted au FBI, qui ensuite il y aura un procès, etc., etc., qui il y a énormément d'informations encore une fois que je pourrais vous lire. Et finalement, la décision finale, c'est qu'il a été reconnu de plus de 14 meurtres et d'autres chefs d'accusation, ça c'est sûr, mais il est officiellement reconnu. On sait qu'il a fait plus de 36 victimes, mais on n'a pas les preuves nécessaires, donc il sera exécuté le 24 janvier 1989, un peu plus de 10 ans après son arrestation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était assez compliqué. J'arrive plus à parler. Assez compliqué pour moi. De la faire celle-ci, puisqu'il y a énormément d'informations. Alors fallait que je prenne entre guillemets une introduction,
une thèse, une synthèse, une antithèse, une conclusion. Non, sans déconner, il fallait que je trouve une introduction, pouvoir vous expliquer un maximum de choses sur ce personnage tout en vous expliquant ses délires paranoïaques et psychopathes, vous montrer un petit peu que le mec c'était pas un tendre, et aussi vous expliquer la fin de sa vie, la fin de son histoire, alors qu'il y a énormément d'informations, donc fallait que je fasse vraiment le tri sur tout ça. C'était assez compliqué pour moi, mais en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, dites-moi ce qui vous a plu ou moins plu. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo, ça va être Mr. Deez qui revient puisqu'il avait eu quelques problèmes pour un top 5. Et voilà, on se retrouve du coup dimanche pour ma part. Bon week-end et à bientôt.